Nathalie Minacci, donc née à Pointe-à-Pitre, mais de parents capestériens. Je suis ingénieure en agroalimentaire. J'ai fait mes études à Montpellier après avoir obtenu mon bac en Guadeloupe. En 1995, effectivement, j'ai voulu travailler immédiatement en Guadeloupe et rentrer, si possible, au pays avec mon diplôme en poche. Ça n'a pas été possible parce qu'effectivement, à l'époque, quelqu'un que je connaissais en Guadeloupe, Monsieur Parfait du CRIDBAC, m'a proposé d'aller travailler à Gruissan, dans un centre de recherche, pour travailler sur la valorisation de la banane. Alors, j'ai dû faire contre mauvaise fortune mon cœur et puis j'y suis allée. Et là, dans ce centre de recherche, j'y suis restée finalement 9 ans et on a pu développer un pur jus de banane avec mes collègues de l'INRA. Ce pur jus de banane, la Guadeloupe en a entendu parler déjà depuis longtemps, hein, finalement, puisque le projet a été finalisé en 2002. Je suis revenue en Guadeloupe en 2004, définitivement, en me disant, bon, ben, je vais mettre en place ce projet industriel. Et c'est vrai que je me suis heurtée à d'énormes difficultés, financières, bien sûr, parce qu'on ne met pas un projet industriel en place du jour au lendemain, mais aussi des difficultés, on va dire, d'ordre d'organisation et d'ordre de structure même du tissu industriel en Guadeloupe, puisque je n'ai pas trouvé de partenaire me permettant de développer le projet à l'époque. Donc au niveau professionnel, je suis partie à l'université où j'ai pu quand même enseigner pendant quelques années. Bon, je travaille toujours dans la formation, mais également dans l'organisation de formations professionnelles qui seraient plus adaptées au pays Guadeloupe.